c'est parti. Alors, Maître Ruffier, donc, vous êtes la représentante de Pays Rechart et Alerte. Vous sortez de l'audience de la Cour d'appel de Bordeaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé aujourd'hui, ce matin ? Donc, Pays Rochefortais combat depuis 2014 une installation qui utilise un vieux machin qui est le trimécanobiologique. On a obtenu du tribunal administratif de Poitiers, de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, l'annulation de cet arrêté. Malheureusement, le Conseil d'État a considéré que la Cour d'appel de Bordeaux et le tribunal avaient statué trop tôt, avant que la loi soit modifiée. Et donc, a cassé la décision de Bordeaux. Donc, on revient devant la Cour à Bordeaux. On reprend la même discussion, sauf que on a suffisamment, alors, les associations ont suffisamment impressionné la préfecture et les élus pour que les élus prennent en 2018 un nouvel arrêté où on parle plus de TMB, on parle de compost, on est beaucoup plus pudique. Et donc on nous dit, aujourd'hui c'est pas la peine de juger puisqu'il y a un nouvel arrêté. Et c'est pas la peine de discuter du vieux machin de 2014, puisqu'il y a le nouveau de 2018 que, d'ailleurs, vous avez attaqué, Pays Rochefort et Alerte a attaqué devant le tribunal de Poitiers, c'est en dedans, là, actuellement. Voilà, alors, juridiquement, c'est assez imparable, oui, il y a non-lieu à statuer, c'est sûr. Bon, j'ai quand même insisté auprès de la Cour sur deux choses. La première chose, c'est que pour faire ces recours, ça vous a coûté quand même pas mal d'argent, il y a des moyens, du travail, parce qu'on a quand même beaucoup bossé là-dessus. Tout ça pour un non-lieu à statuer, c'est un peu rageant. Et puis il y a toujours du résidu de TMB partout dans la campagne. Toute la presse en fait l'écho. Alors si l'arrêté de 2014 pour faire du TMB n'a plus d'effet juridique, si l'arrêté de 2018 ne fait plus de TMB, alors d'où vient ce TMB, d'où viennent ces résidus de TMB? En fait, on s'est aperçu à l'audience, et c'est très intéressant. Si le CIL a un nouvel arrêté qui leur convient de 2018, ben tout va bien. Ah mais non, aujourd'hui, là, ils se sont arc-boutés, accrochés, ils ont communiqué plusieurs mémoires après la clôture pour demander, non, pas de sursis à statuer, maintenez-nous notre vieux machin de 2014. Ça veut dire qu'ils veulent garder le ticket pour polluer, en fait. C'est ça. Et donc, c'est intéressant, c'est vachement intéressant. Alors c'est d'une complexité juridique, technique, terrible, mais au niveau de votre combat, c'est très très intéressant. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'a dit le reporter public pour être bref et pour être concis et clair? Il n'y a pas lieu à statuer. Donc c'est-à-dire qu'elle dit que... Le vieux machin de 2014 est mort. D'accord. Et qu'ils sont régis par le 2018. D'accord. Okay. Voilà. Donc il n'y a pas lieu pour la Cour de statuer sur un truc qui n'existe plus. D'accord. Voilà. C'est très clair. Ça c'est très juridique et c'est statué ici, Cour de Verdun, à Bordeaux. Hein. Ils sont évidemment pas allés sur le terrain voir l'État dans les champs. Hein. D'accord. Okay. Mais juridiquement, ça se tient tout à fait. Quoi. Merci beaucoup. C'est vrai que non lieu à statuer, c'est clair, net et précis. Ça veut dire, nous emmerdez pas, on n'en parle plus de 2014. Ah oui. Non, mais c'est...